Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre aujourd'hui le tarot, le tarot de la lune et des étoiles de Jane Wallace, une magnifique création. Alors vous l'aurez peut-être constaté si vous avez regardé mes, pr mes vidéos précédentes, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais là je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos et je fais une petite série tarot. Donc on est vraiment sur, euh, sur pas mal de tarot. Là on va... Plonger dans le cosmos, puisqu'on va euh, découvrir le tarot de la lune et des étoiles. Alors, c'est un tarot qui est sorti aux éditions Médicis, que vous connaissez, puisqu'il s'agit d'une marque des éditions Très C'est un coffret que vous allez pouvoir retrouver au prix de 24 euros. Il arrive dans une petite boîte cloche comme ceci, toute belle. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a au dos. Quoi de plus merveilleux que de contempler la lune et les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne Alors ça fait quelques jours qu'on les voit pas trop les étoiles parce que nous on a gris. On a même eu la neige dimanche soir. Bon, c'est pas vraiment. Pas, ça n'a pas tenu longtemps, parce que le lendemain matin, ça fondait déjà. Mais bon, c'est vrai que nous, près de Marseille, c'est tellement rare qu'on est comme des gosses. Voilà, enfin bon, je fais une petite aparté. La lune, astre puissant et mystérieux, nous irradie de son énergie bienveillante et influence nos émotions. Comme notre humeur. Les étoiles nous susurent des histoires, nous guident vers la plénitude et recueillent nos vœux les plus chers. Grâce à ce tarot de la lune et des étoiles, vous pourrez utiliser le pouvoir de la lune et déchiffrer les messages des étoiles afin de sonder votre passé, votre présent et votre avenir. Vous, éprouvez, vous éprouverez alors un profond sentiment de liberté. Vous avez 78 cartes dans ce coffret et un guide d'accompagnement de 64 cartes. Un coffret au prix de 24 euros comme je viens de vous le dire. Donc, petite boîte cloche aimantée. J'aime bien ce petit système, moi, perso. Euh, donc, le livre, on, re, on va voir les cartes après. Donc, c'est un livre tout en couleur. Regardez, il est juste très beau avec les petits remerciements, tout ce qu'il faut, le petit sommaire. Alors, il n'y a pas énormément de pages, vous voyez. Et surtout, eh bien, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un tarot qui a été fait sur la structure du tarot de Marseille. Mais en plus simple, puisque vous allez voir, que vous allez pouvoir vous inspirer de petits mots-clés qu'il y a sous, enfin sur la carte, en bas de la carte. Donc, vous avez tout d'abord des petits rituels que vous allez faire. Rituel de la pleine lune, rituel de la nouvelle lune, celui du sommeil profond avec la lune. Ah bah ben ça c'est bien ça, parce que moi en ce moment je suis pas vous, mais moi j'ai du mal à dormir. Alors moi je dormais comme un bébé jusqu'il y a un mois à peu près, et depuis un mois c'est vraiment très compliqué mes sommeils, mais bon. Le message du rituel de la surveillance quotidienne des étoiles, ensuite comment réaliser un tirage, comment se connecter avec les cartes. Et quelles questions vous pourriez poser, comme d'habitude, des questions ouvertes. Quels renseignements puis-je obtenir sur moi Quelles sont les forces de ces cartes Quelles sont les limites de ces cartes Qu'est-ce que les cartes ont à m'enseigner Bon, ça, ça, ça pourrait être un tirage que vous pourriez faire, par exemple, avant euh, ben, tout tirage pour connaître justement ce jeu et vous connecter à lui. Ensuite, vous avez les tirages du jour. L'étoile filante, passé, présent, futur, le cycle lunaire, qu'est-ce qui me bloque La nébuleuse de l'œil, j'ouvre mes yeux de la guérison, le tirage des dix planètes avec les dix jours prochains. La roue du zodiaque, donc vous voyez que le livre est pas très gros, mais il y a quand même pas mal de choses. Et ici, avec la roue du zodiaque, vous allez vous occuper de l'équilibre émotionnel. Donc après, on parle des arcanes majeures. Et vous avez pour chacune des arcanes, donc la représentation de la carte, le numéro, le nom, les mots-clés, l'interprétation, la signification et le voyage du fou. Voilà. Le message de l'étoile et l'affirmation de la lune également. Donc vous avez deux messages complémentaires. Donc vous voyez que sur chaque carte en bas, vous avez le mot-clé. Donc vous avez tout ça. Pour chacune des arcanes majeures, ensuite on passe aux mineurs où là on va vous faire déjà un petit récap pour vous rappeler quelles sont les énergies de chaque suite et on va passer à l'interprétation. Et pareil, alors vous voyez que les cartes sont vraiment sur une structure tarot de Marseille puisqu'il n'y a pas d'illustration comme d'habitude. On voit simplement des coupes, mais par contre vous avez un mot clé sur chaque carte. Alors on va les découvrir après les cartes avec les cartes de cours également. Hop, voilà et là on est sur la fin du petit livret. Bon, on va découvrir les cartes. Alors moi je me suis amusée déjà à faire un petit tirage avec je sais plus si sur quel réseau social c'était, je crois que c'était sur TikTok pour voir un petit peu comment elle répondait et c'était vraiment pas mal. Alors la qualité des cartes, déjà le dos, j'aime beaucoup. On est vraiment sur un dos, euh, un très beau dos. Pas de tranches, voilà. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur des cartes qui sont pas énormément épaisses, mais très bonne qualité malgré tout. Oui, ça, c'est pour moi, c'est assez correct. On est sur des cartes qui chantent, vous les entendez, donc qui ne sont pas euh, si brillants, mais mates. Voilà. Et ce qu'on va faire, et eh bien, on va les découvrir ensemble, tout simplement. Alors, vous avez la carte du fou que vous allez placer à votre convenance, au début ou à la fin des majeurs. Donc, le magicien habileté. Donc, vous voyez vraiment le mot clé en dessous. La grande prêtresse, voix intérieure. L'impératrice, nourriture spirituelle. L'empereur, structure, on est avec le 4. Hein. Le 4, c'est la structure, c'est les fondements, c'est le... la stabilité. Le hiérophante, avec les conseils de cet homme sage. Les amoureux, les décisions, puisque vous savez que les amoureux, c'est surtout les choix et décisions que vous avez à prendre, entre autres. Le chariot, le progrès, on avance. Alors là, voyez par exemple le chariot, ici, elle a, elle a les rênes. Elle tient les rênes. Souvent sur les chariots, ils n'ont pas de rênes. Alors, structure du Marseille, puisque la justice est en 8. Elle est restée en 8. L'ermite avec la solitude. Donc la justice, c'est la vérité. L'ermite, c'est la solitude. La roue de fortune, c'est le karma. La force, c'est la bravoure. Hein, vous savez que c'est souvent la force, mais pas la force physique, mais la force intérieure. Le pendu qui vous appelle au retour au calme. La mort qui vous permet de libérer. Donc du coup, avec ce mot-clé, on a tendance à moins prendre cette carte de manière sombre, hein, puisque ce n'est pas une carte qui plaît généralement. La tempérance, on est vraiment sur la guérison, là, du coup. Le diable avec l'obsession. Les addictions. La passion aussi. La tour qui nous parle de transformation. Même si c'est un gros choc inattendu. Hein. L'étoile avec l'inspiration. Bah forcément la lune. Mauvaise interprétation. Le soleil. Euh, 17, 18. Oui, je crois que je m'étais inversé, mais tout va bien. En positivité. Le jugement pour l'action. Et le monde pour l'achèvement. Alors moi, cette carte du jugement... Ça a toujours été une carte que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à interpréter dans le tarot. Parce que le jugement... Et on va voir un petit peu... Tiens, j'aimerais bien voir comment elle a fait son interprétation. Action, pardon, vérité, deuxième chance, réalisation, pleine conscience, désapprobation. Donc la carte du jugement vous demande de prendre une décision et de trouver une solution radicale. Pour cela, votre intuition saura vous guider. Vous avez passé beaucoup de temps à penser à votre situation, il est désormais temps d'agir. Pardonnez vous à vous même et pardonnez aux autres les événements négatifs passés. Concentrez vous et débarrassez vous des émotions afin d'y voir plus clair et en toute liberté. Message de l'étoile soyez indulgent avec le passé, revisitez le, réfléchissez à vos actions passées, puis prenez votre décision, essayez encore une fois ou abandonnez. Et l'affirmation de la Lune, je me suis guérie du passé et je demande aux étoiles de me guider. Donc, le monde, cette fois, donc là, on a fait toutes les majeures. Là, on passe évidemment au couple, donc on ne va pas s'attarder puisque vous le voyez. Mais vous avez quand même toujours ce mot-clé satisfaction, relation, célébration, distraction, chagrin, passé illusion, introspection, accomplissement, achèvement. Donc après, on a les personnes de cours, le valet, avec la loyauté, la romance pour le cavalier, la reine, l'empathie et le soutien avec le roi de coupe. Puis on passe au denier, toujours avec, voyez vos mots-clés, croissance, équilibre, effervescence, contrôle. Insécurité, gentillesse, vision, perfection, confort, richesse. Le valet avec les perspectives, la confiance, la stabilité et la sécurité. As compréhension, croisement, peine de cœur. Bah là, on reconnaît euh, bien entendu. On est en plein dedans. Récupération, vengeance, mouvement, tromperie, anxiété, traumatisme, conclusion, éducation, drame, indépendance et connaissance. Et on finit avec les bâtons, avec le nouveau départ, la planification, la communication. La célébration, le chaos, réalisation, résilience, la vitesse, la peur, le fardeau, l'invention, l'immaturité, le charisme et la passion. Donc voilà, au niveau. Elle se mélange très bien, aucun souci. On va tirer une petite carte pour avoir l'interprétation. Je ne sais pas si je vais y arriver parce, comme ça, parce que je n'ai pas des grandes mains. <laughs> J'ai un peu loupé le début, vous l'avez vu. Il faudrait que je fasse en, en deux parties. Mon... Mais par contre, vous voyez, vous pouvez vraiment les mélanger façon poker. Hein. Si vous avez des mains plus grandes que les miennes, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas de très grandes mains. Et puis quand on ne peut pas faire comme ça, on les met à plat, on mélange comme ça, et puis hop. Allez, on va dire que c'est bon. On va se tirer donc une petite carte, juste du jour, pour voir ce qu'on nous dit. Et on a la première carte, donc l'effervescence avec le 3 de denier. Comme ça, on va voir un petit peu qu'on a en interprétation. Alors le 3 de denier, reconnaissance, compréhension, travail d'équipe. La signification c'est effervescence. Il y a un bel accord dans le travail d'équipe et du dévouement dans une situation à laquelle vous avez consacré de l'énergie et du temps. Vous obtenez la reconnaissance que vous méritez après avoir mis en valeur vos capacités et fait part de vos idées. Voici le temps d'accepter les louanges. Si vous démarrez un projet dans une affaire ou autre, croyez y à fond. Il pourra ainsi prospérer en beauté. Si vous êtes seul, il est temps de vous sociabiliser par... car la communication est fluide. Dans les relations, le besoin de travailler dans un bon accord est plus important désormais. Message de la lune. Mettez en valeur vos compétences et remerciez pour ce que vous obtenez en récompense. Donc voilà. Donc si vous êtes euh, débutant dans le tarot, et eh bien je trouve que pour vous familiariser avec, si vous aimez le Marseille mais que vous avez un peu du mal avec la compréhension des cartes, surtout dans les mineurs, et eh bien ça va vraiment vous aider à vous familiariser. Avec ces cartes, vous voyez, parce que vous avez vraiment des petits mots-clés. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir vous laisser inspirer du coup par les illustrations, mais en ayant le mot-clé, du coup, vous allez pouvoir laisser venir tout ce que ça va vous évoquer, ça, ce mot effervescence, d'accord Et puis, si vous avez envie de compléter évidemment avec votre petit, petit livret, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il est beau, il est facile, il est à la portée de tous, confirmé comme débutant. Et surtout, eh bien, on reste sur cette structure tarot de Marseille, mais avec ce petit plus, justement, ces, petites, ces petits mots-clés que je, pour moi, pour ma part en tout cas, je n'avais pas encore vu, en tout cas pas sur des structures tarot de Marseille. Et je trouve ça très très bien pour ceux qui débutent. Voilà, c'est un joli tarot, tout en douceur. Et en plus, c'est eh bien grâce au message de la lune et des étoiles, on a des messages complémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie de l'acheter. Je vous rappelle que je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo pour le faire. Et puis, comme d'habitude, si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de liker, de commenter, même si vous mettez juste un petit pouce, un petit cœur, ça suffit. C'est juste que moi, ça m'aide. Voilà. Et puis, vous vous abonnez si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous